Comprenez que Dieu. Des lois de la grâce en particulier. Traduction performative en espagnol, parce que sinon c'est ennuyeux de lire carrément. De la naturaleza y de la gracia. Segundo discurso. De las leyes de la gracia en particular y de las causas ocasionales que las regulan y quién determina la eficacia. Primera parte. De la gracia de Jesús Cristo. ¿Cómo no hay más que Dios que actúe inmediatamente y por Él mismo en los espíritus y que produzca en ellos todas las diversas modificaciones de las que son capaces? No hay más que Él que expanda en nosotros la luz y nos inspire ciertos sentimientos que determinan nuestras diversas voluntades. Así, no hay más que Dios que pueda, como causa verdadera, producir la gracia en las almas, ya que la gracia o lo que es el principio o el motivo de todos los movimientos. Todos los momentos. Regulados de nuestro amor. Es necesariamente o una luz que nos enseña o un sentimiento confuso que nos convence de que Dios es nuestro bien. Amén. Traduction performative de Kalidasa depuis l'édition de Chandra Rajam. Om Namah Shivaya. Kumara Sambhava. Là-bas, au nord, et les rois des montagnes, Himalaya,
s'appelle divinité insondable, qui plonge dans les grands océans, en Orient et à l'Ouest, s'élève un torse de la terre entière pour mesure. L'ayant choisi, comme la coupelle et les monts Mérus, à l'adresse des hommes des montagnes, comme de celui qui va les laits sur les chemins des chèvres. Au Pirutu, qui l'a guidé, il a donné le lait qui soutient la terre de ses brillants diamants et précieuses herbes à racines. La neige dénudée l'envole sa magnificence pour qu'il soit à la merci de la source sans prix des diamants. Un seul souffle est perdu dans la masse de ses mérites, comme la lune obscure tâche de son absence, la myriade chantante des Pléiades. L'auteur avance des opinions nouvelles et pernicieuses sur les attributs divins. Toute puissance, providence, volonté de Dieu, sur le mystère de l'incarnation, sur la grâce et sur la liberté de l'homme avant et après la chute. Il tente d'expliquer la providence et la conduite divine, alors que l'Écriture et les Pères, par leur silence sur la question, témoignent qu'elle doit nous échapper. Il suppose qu'il arrive dans le monde son gouvernement quantité de faits bizarres, injustes, irréguliers, pervers. Il assure que Dieu veut sauver tous les hommes, non seulement d'une volonté antécédente, mais d'une volonté absolue, et autant qu'il est en lui, qu'il est ceux sauvés tous s'il avait opéré par des décrets particuliers. Par là, l'auteur prétend expliquer pourquoi la foi n'est pas donnée à tous, pourquoi les réprouvés sont plus nombreux que les élus, pourquoi Dieu donne souvent des grâces inefficaces, répandant cette pluie céleste comme la pluie naturelle sur des terres stériles. Pourquoi il permet qu'après y avoir été fidèle presque toute la vie,
On y résiste et on se laisse parfois vaincre par le péché. D'où il semble que Dieu veut et ne veut pas le salut des hommes. Il est vrai, nous précisons d'un nom le monde plus haut que le soleil ou la lune, mais par la remembrance pour nous ces jours, ta grâce nous a fait monter plus haut. Encore honoré par toi de cette manière, plus hautement nous devons estimer nos êtres. Le respect, c'est le plus noble et le meilleur des titres, comme la règle, la foi de l'âme, la vertu de chacun. Mais Seigneur, avec combien de splendeur pour les cieux, où est le besoin de faire connaître cela, notre bonheur à exister dans la remembrance de ton qui cherche profond entre les êtres. Nous voyons ta forme devant nos yeux, mais qu'est-ce que tu vraiment es? Nous ne savons, sois gracieux Seigneur, c'est toi-même connaître. Tu n'es pas entre les choses énigmatique. Forme et celle-ci que nous avons vu, celle qui a laissé cet univers qui émerge manifeste à présent, oh celle par qui tu maintiens cela. Oh encore, celle qui dessine tout en elle-même, mais être fulgent, laisse-le aller. Il questionne,
il a la mouche au nez, il cherche l'inescrutable vérité. Lakshmi, destricheuse de la beauté et la bonne santé, qui ne jouit des riches lotus quand elle visite la lune, ni possède la gloire de la lune quand elle prend son bain entre les lotus. Mais quand elle voit sortir le visage d'humain, elle gagne un délice double. Om Tri Mahalakshmi Namah. La fleur sera placée sur la sur les jeunes bourgeons de feuilles d'une perle mise en brillant coral. Seulement là se compare avec l'espiègle sourire qui jouait autour des meubles vernis des célèbres. Quand elle, avec paroles courtoises, de celles qui sont nées des professeurs, discute en sud-aigu sur un ton bas, autour d'un hectare, et l'a rendue honteuse, même l'esquimaude qui l'a surveillée pour qu'elle ne mange pas les shit comme les cordes d'une guitare atomique. Non pas comme les lotus bleus tremblants au vent frais, ou ces manières tremblantes, ces dames, les longs liquides cieux empruntant des regards de biche, ou fait ça les biches veulent emprunter les manières qu'elle avait, regardant
decreciendo de se surtir profondément courbé et dessiné au pinceau comme un collyrium collant. Et tellement expressif un mouvement sans corps perdu, tout l'orgueil dans la courbe beauté de son arc-en-ciel. La coupe des nomades et cet ami à toi aura bu avec moi l'eau indivise du monde plus haut. Écoute, oh Magda, au rythme mémoriel du Seigneur de mémoire, offre un baiser des mangues fragantes en fleurs avec la main tremblante de ses feuilles même. Pour ton ami, vous trouvez dans la mangue des fleurs, comme un radis, c'est mis de vous, Jésus. Elle voulait montrer son corps, sa voix parla du ciel, comme les premiers. Du mousson prenant pitié un chaton qui tremble au bord d'un étang cherchant un lieu sec au loin et pousse de la flore armée du Dieu, non plus longtemps
será ton époux parmi ceux que tu veux. Écoute et connais quel acte à lui l'amène à brûler comme une mouche dans la flamme de l'œil. Estiva, le Seigneur des êtres, mon foi, tranquille, des oreilles s'étendent de désir à sa propre fille. Pour restreindre ses urgences antinaturel, il a maudit sa main des plaisirs qui, à présent, savoure les fruits de son propre ancêtre. Même dans Avanti popolo. C'est parti. Il ne faut pas que leur exemple nous inspire cette agréable vertu qui entretient dans les esprits la paresse et la négligence et qui les console de l'ignorance où ils sont des vérités qui leur sont les plus nécessaires. Il faut prier dans celui qui éclaire tous les hommes et qui répand en nous la lumière, qui récompense notre foi par les dons de l'intelligence et surtout qu'il nous empêche de prendre pour l'évidence qui accompagne les réponses, la vraisemblance et les sentiments confus qui précipitent les esprits superbes dans les ténèbres de l'erreur. Jeunes femmes qui vont vers le roman, jeunes femmes qui vont vers leur amant, songeant à minuit, sorti de la voie royale, perdu le chemin dans des lieux obscurs. L'obscurité avec quelques de pain légère à leur part, il traduit en même temps, c'est très compliqué. Pourquoi on a un bruit bizarre? Il y a un faux contact. Il y a un faux contact. C'est le téléphone, tu crois? Ah ouais, c'est le téléphone. Je pose le téléphone là.
Alors, ce n'est pas là. 204. Bonsoir à tous les auditeurs. Nous sommes en 2058 et nous allons faire un... une traduction performative de Thérèse Davila, Les demeures. Voilà, c'est parfait. Mystique espagnol. Qui a risqué d'être brûlé pour Judaïs Sainte. Car les demeures sont l'équivalent des apocalypses kabbalistiques. Peu de choses m'a commandé l'obédience qui m'était aussi difficile comme d'écrire maintenant des choses de prière. L'une parce qu'il ne me semble que le Seigneur Esprit puisse les faire, ni les désire. L'autre parce que d'avoir la tête 3 mois avec un bruit efflanché, grave, assis dans les affaires forcées, j'écris avec peine. Plus entendu que la force d'obédience arrive parfois à dégager les choses pour qu'elles semblent encore plus impossibles. La volonté est déterminée à les faire. Volontiers, parce que malgré que le naturel semble s'affliger, beaucoup. Il n'a pas donné le Seigneur autant de vertus que de lutter contre la maladie toujours et avec des occupations diverses de manière à faire aucune contradiction en elle. Il l'avait fait lui. Qui a fait toutes les choses encore plus difficulteuses pour me faire merci. Et dans sa misère, je suis bien, je crois que d'avoir dit peu plus que je n'ai dit dans d'autres choses qui m'ont posé comme question d'écrire. Avant, j'ai craint qu'il doit être facile pour les mêmes, parce que comme les oiseaux qui montrent qu'ils parlent, ne savent pas qu'ils montrent ou entendent. Ainsi, je pense moultes fois, je suis au pied de la lettre. Si le Seigneur nous trace dire d'une œuvre, sa majesté le fera et sera servi d'apporter à mémoire ce que autrefois j'ai dit. Et je serai bien contente de le savoir si méchant. Je serai contente à frapper moultes choses qui seraient bien dites, mais qui m'auraient perdu. Si jamais, mais dont le Seigneur est là, avec fatigue, encore mal de tête, par obéissance. Allez. Ah.
Pero López de Ayala. Libro rimado de Palacio, del Palacio. Libro rimé du Palais. Par cela, a-t-il dit ses sages savants Salomon, si moult siècles vécurent gais toutes ces sons. Toujours viennent à la tête ces tristes troublions de la mort troublante que jamais fit pardon. Seigneur, dit ça Job, ainsi fus-je. Laisse-moi, Seigneur, que je pleure et me plaigne un peu de cette grande douleur, orphelin et pauvre. Et c'est là, sans savoir la loi, tourné vers moi, déjà petit, les larmes aux yeux. Ne trouvant porte. L'homme qui est peiné cherche tempérance pour verser les larmes. Avec moi, des besoins. Si ça vous ennuie pas, parce qu'ils sont plus décents, les mots qui viennent, qui pourraient leur mettre en compte. Monseigneur, toi tempère mes plaies et ma blessure pour que je puisse pleurer avec plus juste mesure. Estimer ce que je souffre, car je fis une telle vie que par raison je trépasse. Quant au bien joui, mais vois que je mérite ces peines passées. Davantage, Seigneur, je ne comprends si je pourrais durer, parce que à toi je clame que tu puisses prendre pitié de ce pauvre cerf que toi as eu la bonté d'élever. Tout ce que j'entends de tout ce qui est résonné, quant au mal qu'ici je souffre et par mon occasion me vient tout ça, qui sera les barons pour souffrir telle peine sans sa consolation?
À l'instant même où Nicolas Vsevolodovitch était entré, j'avais remarqué que Lisa l'avait regardé vivement et fixement, et ensuite était longtemps restée sans le quitter des yeux, si longtemps que cela finit par attirer l'attention. Je vis Mavriky Nikolaevitch se pencher vers elle, par derrière, et je crois qu'il voulut lui chuchoter quelque chose, mais visiblement il se ravisa et se redressa vivement, en promenant les yeux sur tout le monde comme un coupable. L'illustre écrivain habitait chez sa sœur, marié à un chambellan et propriétaire terrienne. Tous deux, et le mari et la femme, étaient en vénération devant leurs célèbres parents. Mais pendant le présent séjour de celui-ci chez nous, ils se trouvaient, à leur profond regret, à Moscou, si bien que l'honneur de le recevoir échut à une vieille et pauvre parente très éloignée du chambellan qui habitait chez eux et depuis longtemps faisait fonction de gouvernant. Avanti. D'une des trois manières, l'on commet le péché, ou d'être homme ignorant, ou de savoir non attendre. Ou infirmité, ou malaise, qui l'ont rabaissé, ou pour les vouloir faire, sachant de son gré. Cette troisième manière est plus grave et plus lourde, car elle est malice pure de vie mal ordonnée. Et quelconque des autres, si elle continue, des bruits, elle a assez si elle n'en fut réparée. Pour jamais présenter et dit ici saigne par plus avec l'amende labourer les sommes justes pour ne jamais la mémoire de ces hommes, selon que Job disait, se compare aux cendres froides. Car certains, il y en a qui oublient, qui suivent leur voie avec orgueil, ils labourent et portent la mauvaise
attitude. Ils vont s'efforcer à laisser ainsi leur remembrance de ce monde mauvais, ayant toute espérance en rivière et fleuve d'honneur et de bonne. Qui sont les tels biens, les fausses espérances, par moulte qui l'amour en gloire, progrès et sa réputation, l'homme, il peut se comparer aux cendres, la terre, et encore à voler. Les vents de la mort, après, sans plus de délai. Encore l'homme juste de cela n'est écarté. Paradis, ces poèmes du prophète que j'avais noté en mémoire, perdure le juste qui sera nommé. C'est lui dans lequel Dieu a mis ses soins. C'est lui dont les faits se déposent en Dieu en tant que souvenir. C'est lui qui sera en perpétuel espoir et attendra la gloire et la bonne chère qui n'est finie jamais. Dieu soit loué. Si tu veux voir l'homme et toute sa valeur, regarde bien les cercueils qui sont autour des corps et qui dégagent cet odeur. Tu verras l'image morte, froide, sans couleur. C'est lui qui d'abord marchait très fier, debout, tu les vois, ils glissent, courent dans les souterrains. Il ne diffère du pauvre ni du riche, sauf le cercueil qui sera mieux peint. L'homme qui vit dans cette chair mortelle . L'homme qui dépose des poils pour bien dans les pages des livres, les tasses qu'il offre. Plein de saleté et de tentations de mal, naissez la merveille si Dieu ici ne vale. Et s'il ne sait, s'il n'a pas de repentir, soit-il perdu, comme tel. Ainsi l'homme ne veut pas, il convient à être tenté, puisque sa naissance fut faite dans le péché.
pour cela, David disait qu'il avait engendré un péché sa mère. Parce qu'il était triste pour lui de considérer la vie en tant que destinée. Et parce que peut-être il fut fort vainqueur des mauvaises tentations pendant que le Créateur de beaucoup de maux et de plus grandes douleurs pouvait se dire Créateur n'étant pas pécheur. Alors, qui se peut dans un seul point embrasser au lit, entre les draps, au chaud, s'il se souvient de Dieu et qu'il veut l'oublier et finir le temps de service. Est-ce qu'il n'y a pas de père pour défaire les erreurs, ni point pour les venger? Seigneur, disait Job, à toi a plu d'ordonner les termes de l'homme sans jamais l'abréger ni l'allonger. Pour cela, à toi de prier, Seigneur, fais-moi de la place, je veux baisser. Yeah.
Thank you.
qu'il y soit patience, qui est la vertu meilleure et de plus grande éminence sur toutes les autres. Et ainsi avec diligence, soit-elle affirmée, muée, soit la sentence. Seigneur, si tu sais ses péchés muets et son erreur, et ainsi de dures plaies, sois né santé meilleure. Par ailleurs, est plus loué qu'un autre sacrifice, car la chair est peinée de l'homme proprement et non est comparable à celle de la viande à manger, aussi par l'homme sacrifié. Étant à Dieu, commande les pécheurs. Quant à son arbitre, connaisse son erreur, l'offrant à lui avec ses grandes douleurs, de la sienne obéissance et ses montres meilleures. La seule patience est un grand besoin, d'où la foi est posée, et pour ses valoirs, disait Salomon, celui qui peut l'avoir. C'est les trous victoires et peut s'enrichir mieux. Car à quand ce que en humilité aux autres soumis, nous sommes avec patience. Les méchants qui insistent, nous allons vaincre. Et par ailleurs, le mal est en recul, et nous allons mettre de la grâce de Dieu plus éclairée. Par cela, son évangile, notre Seigneur disait, « Le ciel m'a fait descendre pour que je sois la mienne, la parole, pour que je sois chanteur. » Au monde des oliviers, dans une opéra rose. Et c'est lui qui nous répète dans la mer chaque jour, chaque journée. Pour cela, notre Père Adam, c'est sa volonté. Il a voulu rendre accompli. Et c'est notre hérédité. De tout ce qui a été fait et de cette mesquinerie qui est restée entre nous à cause de la grande misère.
Mais si l'homme juste de bonne foi est tranquille, il était insulté par les méchants de sa bonne simplicité. Il devient innocent, qu'il ne soit pas sali, ni mal lui soit fait. Fausse sagesse de ce monde captif, ouvre le cœur à la pensée qui te fuit, à imaginer les mauvais une fois qu'il est réalisé. Méprise les bons, apprécie les confus, la bonne sapience et la juste sagesse, et par ses biens qu'on possède, jamais être trop fier. Les choses du ciel, adorer et croire, et par la vérité, martyr. Mais l'homme qui vit seul et éloigné les autres, plus charnel pour mort l'ont décompté. Mais celui qui est tel, il aurait bien pensé qu'il peut échapper. Je vois ici
Il est très nécessaire à celui qui veut corriger aux autres quand soi-même il n'est pas lieu. Qu'on lui reproche et il doit être sage pour la lumière très claire de nuages au fond du puits. Si avec la nuit et la rage ne fume ravi à punir l'autre, nous sommes déjà coupables car nous mimes l'épouvant d'être à l'abandon à ceux qui prenaient soin. Bien par ailleurs, nous devons beaucoup considérer que les biens de l'histoire ne doivent nous aveugler et que le ciel que nous sommes tellement décidé et signale que le monde nous allons quitter. Ainsi, de la même manière, comme à l'exécution d'accomplir la justice, l'on garde l'intention ici et la bonne tempérance qui apporte les mérites. Et si la superbe parle, sauf occuper la vie, les femmes et les pastilles d'abord. Et les pastilles d'abord, non? Thank you.
Popolo alla riscolta, bandiera rossa, bandiera rossa.
Avec Manuel Montero, découvrez le surréalisme. Et si sa peinture est dans un prisme, choisissez celle de celui qu'il vous faut. Car avec Manuel Montero, la vie est une ville de château. Avec Manuel Montero. Avanti popolo. Manuel Montero, découvrez le surréalisme. Avec son air de boléro et sa peinture à multiprisme. Si tout d'un coup votre cœur est triste, sachez qu'il sait vous consoler, car il a toujours sa bien-aimée. Qu'il est tous les jours en piste avec Manuel Montero. Dans son rébellion, qui donne l'affirmation confuse d'une liberté totale, il s'agit, malgré qu'elle reste limitée à un frisson, momentanément libéré de ses geôliers et assiégé par la police, d'une situation révolutionnaire qui cherche ses formes. Le mouvement déchaîné du prolétariat lance son message. Ne laisse rien en dehors de soi-même et fait tomber tous les prisons. En ce moment où les incarcérés prennent le pouvoir dans la prison, c'est le moment où l'on peut crier et détruire les portes des cellules. Il n'existe plus de hiérarchie ni prison. Une prison occupée n'est plus une prison, est un lieu de punition. Ils sont en train de détruire San Vittore, écrit la presse internationale et situationniste. Texte complet de la section italienne de l'International Situationniste, 1969-1972. L'histoire sur l'origine de la tradition ésotérique raconte
qu'il y avait un temple entouré par 1608 petites chapelles où demeurait le roi Uparaya et son épouse. La royale partenaire avait une fille, Sudharma, qui renonçant au mariage et aux vanités de la cour, se fit nonne et en compagnie de quelques donzelles fut vivre sur une île où elle s'est donnée aux méditations tantriques. Une nuit, elle arrivait qu'un homme blanc lui apparaissait pur et de grande beauté, portant une coupelle de cristal dans la main avec les lettres Om Aha Um Svaha Sisele. L'homme blanc du rêve mit trois fois les verres sur la couronne de la princesse et se fit la lumière. Pendant l'opération, Sudharma a contemplé le triple monde. Peu après, la princesse nonne, enfante, un véritable fils de Dieu. Mais elle a honte, puisque l'enfant est né sans père et tout le monde va le voir comme s'il était un fantôme. Jette alors les nouveau-nés sur un tas de poussière, mais la poussière se fit lumière et musique. La princesse pensa que l'enfant était l'incarnation divine et l'emporta dans sa demeure. Tous les dieux et les esprits vinent alors montrer au divin enfant et lui offrir ses dons. Quand l'enfant eut 7 ans, il demanda à sa mère permission pour discuter avec le docteur indien, mais Sudharma refusa à cause de son âge trop court. Après répéter avec meilleure fortune sa pétition, l'enfant se trouva devant 500 docteurs qui étaient les hôtes de la cour royale. Il les détourna dans le ridicule, dans leur dispute. Prosterné devant lui, il l'appelait Ranyavava, celui dont l'être est sagesse. Et le roi, qui était resté très content du débat, lui nomma le Slobodspongarabdroje, ce qui est plus célèbre.